Ok, donc bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo sur Subnautica épisode 3. On va se lancer directement dans notre partie. Hop. Donc on avait créé notre base, on avait récupéré certaines ressources pour pouvoir en fait avancer. Donc je fais une sorte de récap. Hein. D'ailleurs on avait entendu un bruit différent. C'était un bruit comme si c'était une espèce plutôt gigantesque en soi. C'était pas le même bruit que les balles que les sortes de tortues volantes là, bizarre là. C'était pas les mêmes choses. C'était un autre bruit, donc je pense que ça doit être un Léviathan. Et ensuite, du coup, on a construit un Simos, donc un véhicule. On peut aller jusqu'à 200 mètres de profondeur. Ce qui est ok, mais j'aurais préféré plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a récupéré pas mal de quêtes. Donc avec le Simot, on va pouvoir voyager déjà rapidement. Et on va essayer d'avancer à fond. Là, ce que j'aimerais faire, c'est un casque, tu sais, de recyclage, en fait, pour pouvoir rester en profondeur plus longtemps. Parce que avec. Bah sans casque en fait, je reste en profondeur, mais je vois qu'en fait ça baisse trop vite. Si je reste à une bonne limite, mon recycleur recycle l'air assez rapidement. Sinon, à part ça, voilà quoi. Il y a juste ça à faire, à récupérer, à farmer. Je regarde le recycleur, il donne combien. Et il y aura aussi des améliorations sur le CMOS, tu sais, en termes de profondeur. Genre, il y a des systèmes à ajouter, des modules permettant d'avoir une profondeur un peu plus adéquate. Voilà. Bon, on a toujours ce chargement de l'enfer, bien sûr. Oh, Ah, ça m'a buté, ça. J'aurais même pas pensé qu'il y aurait un menuing sur le menu du fichier holographique Altera, quoi. J'aurais même pas. Mais bon. Donc, résumé, terminé. Donc là, voilà. On sait ce qu'on a à faire. Si jamais il y a quelque chose de plus qui vient d'apparaître, let's go. Ok? Alors, bah tiens, il y a une mission ajoutée encore. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field location. I didn't know how bad, how many of you. I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. On va vous ramener à la maison, qu'ils disent. The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR, and I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Alors du coup, c'était quoi qu'on voulait, moi? C'était ça. Attends, tac, tac. Recycleur. Kit de câblage et maille de fibre. C'est ce qui nous manque actuellement. Donc il nous faut 2 argent. Et j'en ai qu'un seul. Le Simo, je le gaspille pas. Faut juste que je récupère. Est-ce que je suis sûr d'aller ici? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Où je trouve des trucs ronds. Attends, on peut encore aller en profondeur. Ah, il me faut le truc de recyclage, hein, c'est sûr. Voilà, c'est ça, c'est des cailloux comme ça que je te recherche. Du plomb. Donc on peut les trouver sur les cailloux là. Oh bah tiens, allez hop. On va direct. Donc faudrait chercher sur. Là avec notre recycleur, quand on va l'avoir, on va pouvoir en fait rester en profondeur assez
longtemps, donc c'est cool. Welcome aboard, Captain. Alors. Maille de fibre. Ok. Mais la maille de fibre. La maille de fibre, on peut l'avoir sur ça. Mais là, en l'occurrence, il n'était pas actif. Voilà. Comme ça, je vais créer pas mal de mailles de fibre et il va pas nous en manquer. Pour les kits de soins, pour d'autres trucs. C'est vraiment important. Et du coup, le recycleur. Je vais mettre ça là. Alors du coup... Du coup, je vais switcher ça. Casque anti-radiation doublé de plomb. Donc ça, c'est pour les trucs radioactifs. Mais en l'occurrence, les trucs radioactifs, on en rencontre pas longtemps. Donc là, tu vois, on va pouvoir rester en profondeur assez longtemps. D'ailleurs, je voulais aller voir ça plus proche. C'est pas des tortues. Putain, ça respire par là. Du cuivre. Ah ouais. Ah ouais, c'est sympa ça. Sur leur carcasse, il y a... Il y a des objets. Intéressant ça. Ah, il y a même ça. Par contre, t'as beaucoup de cuivre ici. Oh là, oh là. Oh là. Ah, t'as vu, y a, c'est que les... C'est que les plus âgés. Oh, il y a une grotte. Oh, il y a des grottes, là. Oh, ça a l'air d'être intéressant, ça. Oh, ça a l'air bien, ça. Oula. Par contre, t'as beaucoup, hein. Beaucoup, C'est quoi que j'ai eu? Oh, du sel. Ok. De l'or. Bon allez, on sort. Oui. Putain, 200 mètres, c'est chaud. Hein. Mais avec le recycleur, on peut peut-être aller plus vite. Bon là, on va aller plus vite, normalement. Putain, c'est loin. Putain, on peut tenir longtemps. Wouh! Failli d'aille. Failli d'aille. Alors, ça, ça... C'est important pour construire des bases. C'est qui? J'ai pas compris là.
Bon bah ça me paraît pas mal. Bon bah alors on va aller visiter 300 mètres. Vas-y, on va aller visiter ça là-bas. J'ai l'outil de réparation, donc c'est cool. Non, par contre, on va vite, hein. C'est plaisant, hein. Non? En fait, en faisant ces recherches océaniques, ça nous permet en fait de récupérer des ressources importantes. Par contre, problème, si on rencontre des espèces terrifiantes, c'est fin du jeu. Wow! Il y a des belettes. Attends, mais... Mais ça va où ça? Attends, je vais où là? Bah, où l'entrée? Ah. Ok. Alors, il y aurait quelque chose ici. Du rubis. Ça va nous être utile. Je sais pas quand, mais... Wow. Oh! Données téléchargées. Oh, du lithium! Sac gélatineux. Ah ça, je me souviens, c'est de la bouffe. Je me souviens, j'avais chopé ça avant dans les grottes. C'est quoi ça? Oh, lithium. Ah, il y a beaucoup d'œufs de créatures. T'as vu, il n'y a que assez profondeur qu'on peut avoir des... Je vais remonter direct là parce que sinon... Rubis, lithium. Par contre, j'ai pas beaucoup de lithium, donc ça va être la merde. Parce que si j'ai pas beaucoup de lithium, ça se trouve, ça peut être important. Centrale thermique. Ouais, c'est flippant.
Blueprint acquired. Ça fout les boules. Ah, j'ai la pression. Attends. Console d'amélioration de véhicule, ça c'est bien ça. Eh, t'as vu comment c'est trop calme? Bizarre. Ah ouais. Ouais, faut faire gaffe. Je vais essayer de récupérer un maximum de ressources. Même si ces ressources-là, on les a déjà en haut, mais... Il y avait du lithium, hein, donc je suppose qu'il y aura d'autres. Attends, c'est quoi ça? Plan de tigre. Je sais pas, moi je fouille. Hein. Biodiversity in this region is unusually low. Quasi inexistante. Putain, c'est flippant. Attends. Je vais me rapprocher de l'entrée pour aller ici voir. Eh, il y a un truc en profondeur là, j'adore. Je vais juste en fait me rapprocher un peu de l'entrée. Parce que là, j'ai vu un truc vert. Voilà, c'est juste pour éclairer l'entrée. Alors ça va aller où cette connerie là? Wouah. Conduit alien. Mon véhicule, j'ai plus rien. Va falloir rentrer. Attends, wesh. Ah, il est là, putain. Je te jure, la lumière, elle a fait bugger l'entrée, j'ai rien compris. 30 seconds. Putain, je te jure, quand t'as plus rien, c'est horrible. En fait, le truc, il a fait bugger, je pensais que c'était une nouvelle entrée, en fait. Ok, bon, la direction...
Là, déjà, on rentre à la maison. Wow. Déjà, c'est sûr, on rentre à la maison. Là, y a rien à dire. Faut qu'on repose toutes les ressources qu'on a récupérées. On répare et on repart. Putain, moi, j'aime pas les endroits comme ça. Après, moi, ça me fait pas peur. Je m'en fous, tu vois. Mais c'est juste que les endroits en profondeur. Et genre, tu rencontres des nouvelles choses, donc c'est cool. Puis à un moment, tu tombes en panne d'un truc, la pression elle apparaît direct. Je vais essayer de regarder si on peut pas avoir un système permettant d'aller en plus profondeur, en grande profondeur, quoi. Ça me ferait plaisir. Bao. Wow, j'ai bugué. Genre, tu t'accélères, genre. Et tous les trucs comme ça, ils éclatent avec ton vaisseau. C'est tellement hilarant. Welcome aboard, Captain. High priority automated message from Aurora Live Pod 13. Coordinates attached. Live Pod is carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. On regarde toutes les missions que j'ai à faire. Un truc de ouf. Alors, donc on avait récupéré ça. Il va falloir qu'on fasse un. J'ai envie de créer une base, mais plus profonde. Vu que maintenant on a un endroit où aller. Voilà. On va saler. Bon, ça change rien. Hein. C'est juste pour me rendre plus accro à l'eau, mais après. Mais voilà, mais c'est juste pour pouvoir avoir de la nourriture conséquente. J'aimerais bien. Alors déjà, on va prendre plein de trucs comme ça. Je vais ranger tout ça parce que ça me sert pas pour l'instant. Je vais prendre ça. Ça. Putain, j'ai bien fait d'en prendre. Voilà, on prend tout. Tout le titane et on va recréer une base. Mais dans une zone plus profonde en fait. Plus profonde dans mes ressources. Attends, je regarde vite fait. Il faut du cuivre. Je prends du cuivre aussi. Je prends du cuivre pour. Attends, je prends du cuivre. I need water. Pochon. Je le prends, ça peut servir pour une bouteille d'eau. Voilà. Parce que dans l'endroit où on va aller, on n'a pas d'eau, donc. Ok. On va aller. Wow. On va aller dans une zone pas trop loin de la base actuelle. Mais genre une zone où il y a des ressources, tu vois. Ce qui serait bien.
plus en profondeur. Wow, oui, des requins! Bah ça me paraît être une belle zone ici. Il est où l'argent? Oh le salaud, il est tombé. En fait, j'ai juste à le reprendre en fait. Salle de scanner. J'aime bien ici, je trouve ça magnifique. Les balles. C'est chaud, hein. Ça me paraît être une belle zone ici. Juste qu'il soit assez haut. Pour pouvoir en fait mettre une structure après. Ok. Quoi, il me faut du quartz. Oh bah. Oh. Oh. Comme si c'était pas merveilleux. Genre comme par hasard, je tombe sur du quartz juste après. Ok. Alors c'est quoi ça? Centrale thermique transforme la chaleur en énergie avec une efficacité. Ah mais il faut de la magnétite et j'ai pas de la magnétite. Oh, il faut du quartz. Ouais. Faut trouver du quartz et en plus on a même pas de pile dans leur truc. Bon, du quartz on en a là. Alors je me suis mis ici pourquoi? Oh bah du quartz. Oh, y'a de la bouffe et tout. Je vais les laisser comme ça va me donner. Parce qu'en fait t'as des sources de chaleur ici. Ce qui veut dire que je pourrais avoir une énergie un petit peu thermique. Tu vois, et ça va être pas mal. Online. 3% de soleil. Welcome aboard, Captain. Ok, là on va pouvoir. Là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire des trucs sympas là. Là, on est dans une zone plutôt jolie, tu vois. La base, elle est quand même loin, hein, mais voilà. Ici, c'est une belle zone, tu vois. Pompe à air murale. Ah ouais? Non, pas besoin. Pas besoin quand même.
salle de scanner. Ah, j'avoue ça, une salle de scanner, ça peut être vraiment génial. Attends, je vais essayer de faire une longueur. Et ensuite, un truc comme ça. Ouais. Ah, je peux pas. Mais c'est malencontre eux. Est-ce que je peux faire un... Voilà, comme ça. Et du coup, faire un truc comme ça. Peut-être parce qu'il n'est pas construit? Oui, c'est littéralement ça, en fait. Parce qu'il n'est pas construit. Donc ça veut dire que... Si j'enlève ça... Et que je mets... Attends. Parce que là, j'étais en QWERTY, c'est horrible. Si je mets comme ça... Et que... Je mets comme ça... Ah, même là, tu peux pas, tu vois. 30 secondes. Bon, là, c'est en phase construction, là. Là, on est en train de faire un truc comme ça. De construction. Parce que là, je suis dans une belle zone, donc j'ai pas envie de faire de la merde. Ça, ce serait une base qui va être définitive, alors... Alors... Mais c'est une dinguerie. Attends, je l'ai mal placé? Du coup, on peut pas créer un truc. Warning, emergency power only. Oh, c'est horrible. La précision que je dois faire. Console d'amélioration de véhicules. Ça peut être intéressant, ça. Attends. Papa, tac. Ah mais là le problème c'est que je sais pas si je peux... Ah si. 30 seconds. Le problème c'est qu'il faut que je fasse gaffe parce que quand il va commencer à faire un nuit là, ça va être horrible. Putain, en fait j'ai envie de faire un truc, c'est droit, mais est-ce que je peux continuer? Tu vois, non. C'est pas le truc. C'est ça le truc. À moins que je fasse comme ça. Mais du coup, au lieu de le faire de ce sens-là, je le fais de ce sens-là en fait. Voilà. Comme ça, je pourrais... Comme ça, je pourrais mettre mes trucs ici. Là, le problème, c'est que j'ai une intégrité horrible. Donc, il y a quasiment un pourcentage exprès que ça explose à l'intérieur, là. Après, j'ai un lithium, donc rien à faire, hein.
30 seconds. Ok, bon allez, on rentre dedans. Faut juste que mon intégrité soit pas impactée. Mais sinon, non, ça a l'air d'être pas mal, hein. Comme ça, en fait, là, je pourrais peut-être mettre une ouverture pour un truc. Tu vois. Ici, j'arrive ici, je peux mettre la salle des scanners ici. Et au milieu, je peux mettre la salle... Ouais, une salle quelconque, n'importe. Hein. Alors déjà, les coffres, ça c'est important. Alors ça, mon petit bonhomme, les coffres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je les mets dans l'allée. Voilà, comme ça dans toute l'allée il y aura des coffres. Ça va être très bien ça. Alors. Ah oui d'ailleurs, il y a ça que je voulais faire. Là, je mets ça pour les missions. Ici, je mettrai ça. Voilà. Et le kit de soins. Voilà, je le mettrai là. Ça a l'air de rendre pas mal hein, quand même. Attends, il y a un truc que j'aimerais faire. C'est faire les voilà, t'as capté quoi. Alors j'ai vu qu'il y avait une salle de scanner, donc on pourra mettre par exemple. Attends, on peut même pas le placer sur le mur, c'est honteux ça. Attends, moi qui pensais qu'on pouvait le mettre. Tiens, je vais sauvegarder d'ailleurs. Donc on va mettre le titane ici. En fait, un peu tous les minéraux ici. Putain, j'ai cru que je pouvais plus sortir. Voilà, génial, c'est génial. Ah oui, c'est une balise qu'il me faut que je fasse. Ah mais là le problème, il y a un problème là. C'est que ok je suis ici. Mais sauf que j'ai pas de balise. Et en fait j'aurais dû la crafter directement là-bas la balise. Est-ce que je peux par exemple ça. Je fais un auto-scan. Self-scan complete. Vital signs normal. Detecting trace amounts of foreign bacteria. Continuing to monitor. Oh bah j'ai une pile. Bah attends. Par exemple, attends. R. Hop. Voilà. Je vais laisser ce vaisseau ici et je vais y aller là-bas. Tu vois? Comme ça, ça va me faire un truc sympa quoi. Tiens, un repère. Le problème, c'est que là, avec des requins comme ça, là, je sais même pas si des requins. Faut que je fasse extrêmement gaffe. Putain, c'est loin! C'est vraiment loin. Bon, en tout cas... Wow.
Ah ouais, faut faire gaffe parce que oui. Après ça va, la distance elle est pas trop loin. Mais il faut que je fasse gaffe. Alors pour créer la balise déjà. Cuivre et titane déjà. Oh le con, je crois que j'ai tout pris en termes de cuivre. Ah non, cuivre. Et titane, voilà. Au moins, on a une balise. Comme ça, c'est génial. Acide chlorhydrique et polyaniline. Alors, je pense que je vais prendre des trucs comme ça. Genre les trucs importants que j'aurais besoin. Je vais prendre ça parce que j'en aurais peut-être besoin. Après, j'ai encore ça, tu vois. Donc... Bah on va pouvoir y aller quoi. Attends, je vais quand même reprendre mon énergie. Voilà, comme ça on va pouvoir aller là-bas tranquille. C'est très très bien ça. Par contre, quand j'étais en bas, c'était la galère. Donc, en termes de respiration, donc je pense que je vais rester en haut et ensuite, bam, je vais redescendre. Toi, je reste en haut là. Et bam, je redescends. Parce que plus tu descends, et plus l'oxygène est difficile. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, l'oxygène va aller rapidement, quoi. Mais en tout cas, ça va. C'est pas vraiment chiant, donc c'est bien. Bao. Bah nickel, hein. Hop, regarde, juste aller là. Tac. Non, c'est du quartz qu'il faut? Ah oui, c'est du quartz. Mais j'en ai du quartz. Ah, c'est du titane. D'accord. En fait, j'ai récupéré pas mal de trucs, mais en termes de titane, il n'y a pas. D'ailleurs, il y a une balise, je vais aller l'installer de ce pas. Ok, ça. La fous là. Tac. Nickel. Donc c'est celle-ci. Donc là on la met en bleu et là on la met en rouge. Allez comme ça. Voilà. Ça on a une balise ici. Je vais même la changer de couleur et la mettre en rouge. Comme ça ça indique cette base. Ok. Bah là moi j'aimerais en fait aller en profondeur. Mais voilà. Putain, en fait, il suffit juste que moi. Ah ouais, mais c'est de la merde! Regarde. T'expliquer pourquoi. Bah parce que en fait, si imaginons que je mets un truc ici.
Parce que je sais qu'il y aura un système pour pouvoir aborder mon vaisseau là. Je sais. Mais le problème, c'est que si je le mets à cette zone-là, on est en dessous. Enfin, on sera à 200 plus, quoi. C'est-à-dire que le vaisseau, il va péter là-dedans, quoi. Un bordel. D'ailleurs, faut que je fasse des pi. Oh, waouh! Ah ouais, ça fait mal, hein! Ouyouyouy! J'ai l'air de voir un truc intéressant, là. Oh putain! Oh putain, j'ai vu un truc, j'ai fait... Ah, ça ressemble à quoi, ça? Chambre d'immersion! Putain, c'est quoi ça? Oh putain! Qu'est-ce que là? Qu'est-ce que c'est cette merde? Alors, c'est quoi qu'il faut là? This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good. No good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Je sais pas, il parle, moi j'en profite. Hein. Non, moi ce que je recherche c'est du titane, donc autant y aller. Hein. Putain, j'ai cru que c'était argent. Module de profondeur MK pour Cyclope. Logique. Ah non, mais c'est pas ça en fait. Oh, il y a un lit. Ah non, c'est un banc. Il n'y a pas de truc intéressant là. Il n'y a que du quartz. Il y a un trou là, ça a l'air intéressant ça. % d'énergie, il va falloir que j'augmente ça. Hein. Parce qu'avec mon... Avec... On a vu, hein. C'est les fantômes. Putain, il manque du titane. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on a pas mal de choses. Là, on a déplacé notre base ici. Après, on a plein de ressources là-bas. Hein. Donc, c'est ce que je ferai. Hein. Oh! Ah, c'est compliqué là. Il me faut. Oh! Attends, maille de fibre, circuit intégré, minerai d'argent et titane. Oh là oh là oh là oh là oh là. Ah, il faut récupérer de la bouffe en fait. Après, je suis content parce que ces poissons-là, ils sont ici. Les poissons pochons, là. Donc c'est vraiment génial.
Parce que, en fait, plus tu vas en profondeur, et des fois, tu peux pas en fait en rencontrer. Et là, ce qui est cool, c'est que tu peux rencontrer directement ça. Donc c'est vraiment génial. Oh, la puissance! Comment ça se fait que la puissance, elle est aussi merdique? Ah, parce que ça se recharge. En fait, faut que j'aille explorer autre part pour pouvoir en fait avoir un stockage. Bon là, c'était plus un épisode full recherche, hein, voilà. Vital signs stabilizing. 4, please. Oh, c'est horrible. J'ai du cure. Alors, une pile, deux piles, trois piles. Voilà. Oh, mais non, c'est vrai, j'ai plus d'énergie. Non, mais c'est horrible. Horrible. Ok. Je vais essayer de voir si je peux pas mettre deux trucs là, de paraboles, d'antenne ou je sais pas quoi là. Donc faut que je récupère du titane. Mais ça va être compliqué d'en avoir parce qu'en fait en bas il y a que du. Il y a que du quartz. Et du sel. Bon, attends, je vais en profondeur là. Oh, y a une grotte! Oh, y a des raies! Bon, je commence à remonter un peu. Parce que là, en façon, je peux pas aller dans ces profondeurs-là. J'ai pas assez de trucs de respiration. C'est ça qui est dommage. Hop. Bon, de toute façon, je prends le sel, hein, il n'y a pas de. Du cuivre. Il n'y a pas vraiment grand-chose ici. En fait, pour avoir des trucs intéressants, faut aller en profondeur. Donc. Oh là, attends, on va aller voir ça. Bon, 7, c'est pas ouf, hein. Bon, j'ai récupéré des trucs comme ça, mais. C'est pas vraiment ouf, hein. Donc j'ai vu qu'il y avait une grotte ici là. Qu'est-ce que ça a mené où cette merde? Quartz? Ah mais c'est juste pour du quartz en fait. Qu'est-ce que c'est ça? Centrale thermique. Enfin, je l'avais déjà, mais. Bizarre. En tout cas, en termes de quartz, on est vraiment très très bien. Putain.
de l'argent. T'en as dans des surfaces comme ça là? Alors... C'est combien une parabole? Enfin une parabole. N'importe quoi. Il me faut un minerai de cuivre. Voilà. Je vais aller remettre une parabole. Je vais en mettre déjà une ici. Je vais enlever l'autre pour la mettre un peu plus loin aussi. Parce que pour rentrer, c'est pas ouf, hein. Arrête, arrête tes conneries. Je l'ai mis où? Je l'ai mis juste après ça. J'essaie de faire droit quand même. Je suis pas un malade. Bon, c'est pas vraiment droit, mais voilà. Au moins, on a un vaisseau à peu près symétrique. Oh merde! Ah merde! Parce qu'il n'y a pas de soleil en fait, c'est pour ça? Ah. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de soleil. Il fait nuit. Du coup, c'est la merde. Heureusement que j'ai mon vaisseau, je te le dis. Très bien ça. Putain, y a même pas de soleil, c'est horrible. Nickel. Bah, c'est comme si on était dans l'eau là. Là c'est littéralement ça. Alors faudrait qu'on mette ça, la consolidation avec du lithium, pour éviter de perdre du temps et de se faire avoir. Il faudrait que pour la prochaine fois on mette, enfin en tout cas on farme pour une salle de scanner. Et là tu vois on a découvert la chambre d'immersion et la salle de multifonction. Donc je pense que pour la prochaine fois ce qui serait cool, c'est qu'on fasse salle de scanner. Localise les ressources et les épaves à porter. Ça, ce serait cool ça. Alors il y a un truc que j'aimerais faire avant, c'est enlever la porte. Pour la mettre là. Je trouve ça mieux, parce que en haut, bon. Mais bon. Il n'y a pas de cassure, on est d'accord. 30 secondes. Non, il n'y a pas de cassure. C'est juste qu'il n'y a pas de soleil en fait. Du coup, pas de soleil, pas d'énergie. C'est punitif, hein, si jamais t'as pas... Parce que j'ai tout sur moi, là. Après ça, c'est bien, un sac gélatineux, je viens de voir. Ça donne de l'eau et de la bouffe. Ah! C'est bon, l'énergie est revenue. Alors, je vais aller créer les bouteilles. Pour que ça aille plus vite. Je vais faire une zone de bouffe. Ah mais non, mais je peux même pas créer les bouteilles. Bye. Je peux même pas créer les bouteilles, je peux même pas créer les piles. C'est un bordel. Parce qu'il faut que j'attende que ça se régène, donc bon. Ça a l'air génial.
Du coup, moi, je vais m'arrêter là. On verra donc cela pour une prochaine vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de commenter si vous le souhaitez et de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye à tous.